Et bienvenue à tous sur la chaîne de Zubulim Team Gaming. Comme d'habitude, c'est Mocha et on est parti pour un fan game. Il s'agit de Sonic Time Twisted. Donc il est tout fraîchement débarqué, il vient d'arriver il y a peu là. Courant avril 2017 il me semble. Donc on va lancer tout de suite une petite partie, on va essayer ça de suite. Donc le jeu tourne sur le Game Maker, si je ne me trompe pas. Pour le moment ça a l'air assez joli, assez soigné. Hein. Donc par contre j'ai l'impression que mes commandes ne répondent pas. Alors ça va pas le faire. Donc on peut toujours jouer au clavier. Mais bon, j'ai quand même paramétré les touches, il me semblait que ça m'aurait suffi à pouvoir y jouer avec le gamepad. Donc on va essayer parce que je sais que... Voilà, c'est ça. Donc au cas où je vous le dis, des fois que ça vous ferait la même, j'avais beau avoir paramétré les touches. Déjà en plus que le menu du gamepad bug un peu, parce qu'on va dire une fois qu'on active le gamepad, en tout cas pour ma part, une fois que je l'avais activé, j'arrivais pas à sortir du menu, il a fallu que j'arrête le jeu. Pour ensuite le relancer, mais on s'avait pris en compte le fait que j'avais activé le gamepad. Après j'ai activé les. Enfin j'ai paramétré les touches donc, mais pour qu'il soit pris en compte, faut appuyer sur F1. J'ai vu ça rapidement tout à l'heure. Et apparemment, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais bon, une fois que vous appuyez sur F1, que vous n'avez pas paramétré les touches, bah ça va, ça répond bien en tout cas. Bon bah je pense qu'on va on est en train de faire fausse piste là, c'est plus vers la droite. On va essayer de se diriger vers la fin du niveau si on y arrive. Ouais, quoique en fait non, si c'est vrai que c'est un cul-de-sac, il faut passer par en haut donc. Donc on voit qu'il y en a comme un truc à... Comme un jackpot là, je ne sais quoi, il faut mettre trois images côte à côte, je suppose qu'il faut mettre les mêmes. Mais comment, où les trouver, comment faire, qu'est-ce qu'il faut activer, j'en sais rien déjà. J'arrive même pas à sortir de ce trou, voilà. Donc on va revenir ici. Et on va grimper là, voilà. Mais voilà. On a pris de l'avance. Bon, c'est clair que c'est pas là que je vais gagner le record de vitesse. Je suis cru dans Mario pendant 2 secondes, mais c'est vrai que Sonic lui ne peut pas nager. Et oups. On s'est fait avoir. Voilà, ça n'a pas changé. Et je fais comment pour faire redescendre la plateforme? Ok, faut taper dessus. Donc en fait, c'est à droite qu'il faut aller. Et à partir de là... Je sais pas trop où aller, mais c'est ici apparemment, c'était... Ah bah c'est le niveau bonus. Ah ça va, c'est... C'est jouable. Mais parfois c'est pas évident. Enfin, ouais. Moi je me suis quand même planté au bout du 3e ou 4e saut, mais bon. Bon. On peut recommencer, c'est cool. Bon, on va éviter de se planter aussi bêtement, là, aussi facilement, dès le début. Faut quand même attendre le plus tard possible pour sauter. Oh là là, mais là, j'ai complètement... Je les ai vus sans les voir, tout simplement. Bon, on n'aura pas à finir premier, je pense, mais bon, on va essayer de la finir au moins déjà, ça sera déjà ça. Y'a une vie. Allez. Voilà, au moins on n'aura pas fait ça pour rien. Voilà bon. Out of ring, du coup la vie qu'on a gagnée on l'a perdue, try again. Bah allez, une dernière fois, comme on dit jamais 203, puis si j'y arrive pas tant pis. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire un super départ, un truc comme ça, un truc que j'ai pas saisi, parce que je vois que Metal Sonic lui va beaucoup plus vite dès le début.
Non, 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 bah là c'est moi qui ai fait n'importe quoi. C'est pas évident, hein. Bon, ça reste quand même de la 2D, c'est une illusion de 3D, hein. C'est pas vraiment évident. Là, je me suis fait avoir, je pensais aller plus vite et je pensais avoir assez d'élan pour aller atteindre l'autre côté, mais non. Et puis ça m'a fait deux fois de suite, enfin, c'était la même erreur que j'ai fait tout à l'heure. Bref, continuons. En tout cas, ça s'annonce pas mal, hein. Comme vous pouvez voir. Ah bah c'est juste ça qu'il fallait faire. D'accord. Bon bah on aura loupé l'occasion de remporter un gros lot peut-être, ou le jackpot. On va retenter ici, mais on va pas faire ça 15 fois quand même non plus, hein. Allez. Non. Allez hop, tant pis. On laisse tomber la règle déjà, mais 203, on continue. Ouais, je voulais prendre de l'élan tout simplement. Pas toujours ce qui est le plus utile. Ok, on passe directement. Ok. Voilà. On a changé de stage, plus ou moins. C'est pas de lieu, hein, il n'y a plus vraiment d'endroit. Voilà, t'es libre, c'est un petit contre-temps. Bon, au niveau du chrono, bah, c'est clair et net que c'est foutu, mais on s'en fout, on essaie de finir au moins ce niveau-là, finir avec le premier boss. Cette fois, zéro botnik au moins une fois. Wow, heureusement qu'il y avait un petit fil. Là, mauvaise idée. Faut attendre que tout ça... Voilà. Ça va être... Ça va, y a pas de lave au moins qui tombe, mais ça va pas être évident. Ouais, c'est bon. Bon, est-ce qu'on va passer? C'est bon. Ouais. Enfin, presque. Effet, je pense. Ok, je me suis fait avoir. Comme ça sera un peu mieux, je pense. Et voilà. Time 0, c'est clair et net. On a une petite cinématique. Scénique. Comme je disais, bon bah ce sera seulement le premier boss du coup. Voilà. Ok, Sonic est... Ça va pas être évident là. J'ai du mal à me repérer. Surtout que les pièces et j'en ai plus. Voilà, comme ça c'est réglé. J'arrive même pas à l'avoir. En fait, si j'ai bien compris, il faut plus ou moins rester niveau. En jaugeant l'accélération, quoi, si on peut dire. Tout en esquivant ses rayons. Mais le problème, c'est que j'ai plus de pièces, alors que si on se fait toucher, voilà, c'est game over. Enfin, en tout cas, on perd la vie. On recommence. Et j'ai toujours pas de pièces, merde. Faut que je récupère les troquets, là, déjà. Voilà. Ça sera déjà ça. Ah oh. Ouais, ça commence bien, ça commence bien. On a regaffé aussitôt. Bon, on a deux pièces, c'est déjà ça.
c'est vraiment pas évident. Il suffit d'avoir bêtement. Ah, je pense que j'ai compris la technique. Voilà, on l'a pas compris trop tard, c'est ce qui compte. C'est que c'est délire. Ok. On n'avait pas été ici. Un nouveau petit niveau bonus. Voilà. Ah, je vais vraiment récupérer ça. Ah c'était pas sûr parce que je confonds avec un autre jeu je sais pas, il y a un Sonic ou il y a des choses comme ça qui sont pas qui ne font pas rebondir en fait, il me semble. Là, en fait c'est comme pour le flipper, il faut éviter ce genre de truc, ça m'a fait perdre pas mal de temps parce que j'ai fait deux fois de suite. On a repris une vie avec les pièces. C'est vraiment pas évident, des fois on veut passer juste à côté mais du coup on fonce complètement dessus. Bon, moi on aura fini la course. Alors, on s'en fout, on continue. Voilà, on a récupéré deux vies. C'est déjà ça. C'est bon, je suis invincible je crois là. Si, remarque, ça nous a protégé, mais on pouvait pas passer à travers non plus. Voilà, c'est bien fait avoir à poser ces trucs. On va passer au-dessus, voilà. Oh là, on va pas aller trop haut. On a eu de la chance. Une piscine de balles. Ouais, il y a une vie en boss apparemment. Je pensais passer. Ah. Ok. Alors, je sais pas si tu lis, mais en tout cas c'est fort botnik depuis tout à l'heure. J'essaie de bombarder là parce que j'ai plus qu'un truc. On va pas aller loin. Voilà, j'ai oublié d'esquiver. Ça n'a pas forcément marché. Ah c'est bon, on l'a eu, je crois. Non ? Non, on peut pas l'avoir de ce côté là. Petit bug ou quoi? On va essayer de le bourriner, tant pis. Hein. Mais vu le bruit que ça fait, j'ai pas l'impression que ça soit utile. Bon, il arrive, c'est déjà ça. Bon, c'est... Voilà. Le bourriner. Pour en finir rapidement. Et voilà. Donc voilà, en fait on a fait l'acte 1 qui était en deux stages ou trois stages, je sais plus, enfin bref, deux mini-boss. La vue, ouais, c'était Metal Sonic et puis le dernier, je ne sais plus trop qui, il me semble que c'est... Si je me rappelle vaguement du dessin animé de Sonic qui passait avant, il y a un moment, dans les années 90, sur TF1 je crois, enfin je sais plus. Ça devait être un des acolytes de Robotnik, il me semble. Avec un bras, ou les deux bras même, en foreuse. C'est pas vraiment des mains qu'il avait, c'était des foreuses, donc un truc comme ça. Enfin, pour ceux qui connaissent, je pense que ça doit leur rappeler quelque chose. Bon, bah, en tout cas, je vais arrêter là pour l'instant. Et donc, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, et bon jeu à tous. Allez, bye.